Suivez la caille Haïti Welcome, mesdames et messieurs. Nous comptons rejoindre encore une fois pour nous porter une nouvelle vidéo. Ça pour nous, nous faisons un coup de patte direct, tout droit, tout chaud, toute flamme, mesdames et messieurs, en dans commune, Cité Soleil. Eh bien, dans le moment où nous parlons là, mesdames et messieurs, il faut que nous nous bagayons dégénérés, bagayons graves, bagayons prennent l'autre dimension qui parle dimension. Parce que dans le niveau insécurité à val terrain là, faut que nous disions que c'est presque toute zone en dans Port-au-Prince, mesdames et messieurs, que gang prend contrôle. Oui, gang prend contrôle, mais du côté la police circule, c'est tout à qui sauté parce que vous ne connaissez pas qui est envahi. Et bien, si Gabriel, mesdames et messieurs, allié G9, eh bien, Nabdou, monsieur, perdit un pull soldat là. Selon toute information que nous avons, mesdames et messieurs, eh bien, monsieur, t'as perdu environ 8 nègres là. Donc, dans la bataille gang à gang, c'est garçon qui a tombé, c'est garçon qui va le jouer Baron, c'est garçon qui va le jouer Anel Joseph et Audemars, avec un collègue, mesdames et messieurs, dans le moment, n'a pas parlé là. Dossier Vite l'homme que FBI mettait eh bien, environ 2 millions de dollars là pour eh bien, jouer Vite l'homme. Mais selon toute information, nèg yo pas t'avle Vite l'homme, oui. Mais au besoin, mettez M. en bas code pour M. Bay tout nèg dans le pouvoir. A part de Ariel Henry, Nenel Kassi et André Michel, li kon di, Rika Pierre, faut que nous disons ça tout, Majorie Michel, et bien M. Pral bay tout l'autre net, gros chabrak dans le pays, qui a ben fait Vite l'homme fait kidnapping, tout le monde, saccager le pays d'Haïti en faveur. Nous allons inviter gen tout détail ça, mesdames et messieurs, amis fanatiques nous. Donc, dossier Vite l'homme là, c'est pas un dossier qui pitié du tout, parce que FBI finalement prend contrôle la situation. Nous allons inviter ou gen détail, n'abtoune. Machine pas camion pas qu'à monter là, machine, on sait des machines pas qu'à monter à la zone là, yo kidnappé moun yo. Yo croisé machine nan route là, yo croisé machine nan route là et puis yo monte à moun yo. Donc ça veut dire que là on a parlé de Mariani. Sans compter l'autre côté, on va bien parler de l'autre côté. Nous connaissons dans pays là, hein, côté américain et cap font on jouet là, baron qui veut lié, et yo metté qu'on a augmenté l'argent, yo te bail sous non Vite l'homme non, yo bail yo dit bail 2 millions de dollars pour capable n'importe monde qui t'amène à arrestation ou bien à condamnation et Vite l'homme innocent. Est-ce que nous sommes prendre la parole américaine au sérieux, la parole FBI au sérieux? Qui est-ce qui prend l'information? Qui sont les fins de l'information? Qui ça a fait pour arrêter Vite l'homme? Est-ce qu'il y a une volonté tout le monde? Vite l'homme, nous connaissons que Vite l'homme, tout prend l'ambassade américaine, lui mettait une situation de tension, tout prend l'ambassade américaine. Est-ce que les Américains n'ont pas gagné tout le moyen qu'il faut? Est-ce que les Américains n'ont pas gagné côté Vite l'homme? Dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que les Américains ont moyen de renseignement plus sophistiqué à travers le monde. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour arrêter Vite l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas capable, Jean Lid, d'aider la police nationale et la boîte bourrade à la police nationale? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens? Moi-même, je me rappelle, je suis dans la formation États-Unis d'Amérique, je me rappelle comment les Américains ont aidé agents policiers pour jouer une formation. Donc ça veut dire que si les Américains ont tout moyen et sophistiqué en matière de renseignement, en matière de formation, en matière de tout moyen, équipement. Donc, si vous n'avez pas là, vous pas arrêté Vite l'homme, vous pas aidé la police à arrêter Vite l'homme. Même j'ai été fait, j'ai été arrivé sous Saddam Hussein. Même j'ai été fait, j'ai été arrivé sous Ben Laden. Donc, est-ce que Américains ont vrai, ont une volonté pour vrai, pour capable arriver à mettre main en colère ou bien à éliminer et cible ça qui s'est Vite l'homme innocent qui, selon Américains, kidnappé, et ne savait pas, tout Américain, citoyen américain. Donc, je dis là, est-ce que c'est une bêtise qui a passé à Haïtien? Est-ce que c'est une bêtise qui a passé à l'autorité? Parce que vous voyez une bonne autorité même qui n'a pas respecté la tête, qui a marché tête en bas devant vous. Donc, c'est ça la pose de la question. Eh bien, situation vraiment enragée dans la Cité Soleil. Nous rappelons, après la mort d'Iscar Andris, eh bien, situation dégénérée. Monsieur Chien Méchant, Monsieur Guy Gabriel, nous connaissons qui était besoin de prendre territoire et Belécou, Boston. Eh bien, Monsieur Sayo, il est tombé dans le tir coup de zam. Monsieur Boston, il a tiré coup de zam à Monsieur Belécou, à Monsieur Guy Gabriel, qui est même dans Gogoumen et Jean Douillard. Non, on a parlé là, c'est que grand pile business nous connaissons qui est dans son Sayo. Maintenant, on a posé la question, est-ce que business Sayo à continuer à fonctionner? Qui s'est passé? Est-ce que l'autorité, la police, dans la police nationale, est-ce qu'il a continué à abandonner zone ça dans la mesure où nous connaissons que le tribunal n'a pas fonctionné,
et paquet d'institutions, l'État pas fonctionné dans la zone. Mais cependant, il y a un business privé qui toujours a fonctionné en bas. OK, le cas de Babokou, le cas de la Couronne, nous connaissons en bas dans zone ça. OK, donc ça veut dire que je dis à là et il y a des situations cap développement de pays là, est-ce que l'État lui-même, lui a même à faire un pas en avant pour capable et bailler population pour que population lui-même capable aller au souffle. Donc c'est toute question ça on a posé, est-ce que vraiment il y a volonté pour côté autorité gouvernementale pour capable enrayer ça gain là, le mal qu'il y a en Haïti. Maintenant, selon information, le Parlement kenyan nous connecter et réticent à voter, n'est-ce pas vrai, le déploiement de la force kenyane. 1000 policiers. Est-ce que 1000 policiers Capvini, selon le vote que le Parlement kenyan baille là, est-ce que 1000 policiers a suffi? Là, nous connaissons que tout pays a gangstérisé. Là, nous connaissons que dans 10 départements. 10 départements, est-ce que c'est un grain de policier pour chaque département? Parce que 10 départements pays qui gangsterisé. Est-ce que c'est un grain de policier kenyan pour chaque département? L'autre pays qui a dit accompagner la police nationale là. Moi-même, je pense que je dis là, c'est une bêtise qui a passé nous. L'international a passé une bêtise parce que nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas d'interface, nous n'avons pas de monde comme si capable au moins de gérer, de négocier avec eux. L'autre dit que les autorités kenyanes ont demandé pour que débloquer 200 millions de dollars. Pendant que nous-mêmes dans la police nationale, en Haïti, nous n'avons pas besoin de 200 millions de dollars, non? Nous seulement besoin au moins 50 millions de dollars. Ouais, 50 millions de dollars, toute question qui est là, 50 millions de dollars haïtiens besoin seulement. Hein? Haïtiens besoin de 50 millions de dollars pour gérer les problèmes qui sont là en Haïti. Il y a 1000 policiers kenyans, et moi-même, selon ça me comprend, et selon ça me connaît tout, la police nationale capable de gérer ce qui est là. Seulement, il y a besoin de moyens. Il y a besoin de moyens. Et parce que l'international n'a pas de volonté tout bon pour aider la police nationale, pour aider les pays à sortir de sa liée là. 50 millions de dollars capable suffit pour que la police nationale ait l'équipement qu'il faut pour attaquer les gangs, pour dégangsteriser les pays. Moi, je garantis à 50 millions de dollars, dans 200 millions de dollars qui n'y a demandé, en écrémettre, OK, en écrémettre sous pied 50 millions de dollars. Haïti a géré question gang qui vient dans le pays là. Parce que dans 10 départements, le pays a gangsterisé à travers tout le pays. Tout le pays a gangsterisé. Et nous allons poser la question. Est-ce que c'est volonté internationale à pas gagner? Nous avons dit, nous passons si volonté dans la mesure où pas gagner, c'est vrai. OK? D'ailleurs, les États-Unis, le Canada, la France, qui nous dit à protocole avec la police nationale, c'est pas des droits machines, pendant que même côté Zamio sorti, c'est États-Unis Zamio sorti. Yo passé par la République Dominicaine. Yo financé. OK? Ou vient avec des conseils, OK? Des politiciens et des monde qui dans le secteur privé des affaires là qui a financé gang dans le pays là sous base par yo. Et ben jodi là nous vinn gen sangien là. Donc kounya là haïtien vinn pas côté priorité, haïtien vinn pas gen possibilité priorité la caillou parce que gang envahit tout pays là. Moi, je pense que je dis à la, il faut une conscience nationale, il faut une conscience qui dégage beaucoup de chaque haïtien pour porter coller avec la police nationale d'Haïti, qui est la seule institution qui est capable d'aider les pays à sortir dans sa liée là. Donc, je pense que je dis à la, il faut une conscience nationale qui dégage, il faut que chaque haïtien prenne son habilité. Pas dit que je dis à la, oh oui, et gang va attaquer. Si gang va attaquer, eh bien, ou même, ou bien moyen pour aider. Chaque grain de monde dans la zone pour là, côté pour là, aider, bail la police information, côté nègre caché monde, bail la police information, côté gang émergé, bail la police information, parce que même les gens de la police qui ont une implication présumée dans des actes de kidnapping, dans des actes de bandits, mais ce n'est pas toute la police qui pourrit. Donc, aider la police nationale. Pas aucune police du monde qui est efficace sans information population. Sans population, va pas découler avec elle. Il y a eu 11 actes passés dans Washington, 11 actes passés dans Miami. Et il faudrait parler de Miami. On a voyé condoléances par divers mondes qui, soit qui mourent. Dans Floride, nous connaissons, dans la zone États-Unis, il y a un gros vent. Dans la Floride, eh ben gros vent, gros la pluie, eh ben côté des monde, l'école pas fonctionné dans zone Floride, on a cette condoléance à des monde qui perdent famille et qui gagne monde qui victime dans cadre de gros vent qui
état l'école dans la zone de la Floride. Donc, même j'en ai dit, pas aucune police du monde qui est capable efficace sans moyens, sans collaboration population dans la zone. Donc, ça veut dire que l'important, ou même, par exemple, ce va être bouche paix, c'est GOE bouche parler. GOE bouche parler, bail la police information. Chaque côté qui est kidnappé, chaque côté où il y a la police. Dès qu'on dit que les bandits ont fait des ordres dans le pays, c'est bail la police information. C'est ça qui est important. Parce que je dis à la, nous n'avons pas un pays de échange. Ou même qui pensait que je dis à la, ou quitter les bandits, ou peut-être l'un des bandits, ou même Capouel, parce que ou avez un maon, ou avez un problème, même j'ai avec mon cas, je dis à la, en pile là-dedans, qui est obligé à cacher quoi, et à bouffer, qui est obligé à établir quoi, en battant, à l'encan, chita dans le camp, et dormir dans le camp. Donc ça veut dire que vous quittez Kayo parce que bandit te mette au dehors. Mais si bandit mette au dehors, c'est parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vouloir accepter pour te bailler la police information pour aider la police décortiquer bandit. Donc je dis à la, message à lancer, c'est GOE, bouche parler, aider la police nationale, c'est cette institution qui est là pour capable de courir des gangs qui viennent dans le pays. Et ça va, ça y est. Mon cher, faut qu'on nomme où est l'agence à pour faire. Faut que c'est. Comment elle est. Et officier qui te fait arrêter Badjoua. Oui, faut son déjà. Blé, non, de toute façon. Parce que là, ouais, l'agence a qui tombe. L'agence a été, oui. Deux millions de dollars. Et prenez-le. Non, mais même, problème n'a qui gagne bien matin à tout. Pour ça, c'est États-Unis que FBI a mis et a fait publicité ou du moins a mis des billboards pour annoncer que la cherche éviter l'homme. Pour que ça ne pas venir mettre l'Haïti tout. Mais pour ça, bon, c'est Haïti éviter l'homme. Et FBI connaît très bien qui va éviter l'homme. Non, c'est parce que. Comme si il va connaître éviter l'homme. Je considère éviter l'homme son aigle international. Non, ça n'est pas un problème. Ok? Mais mettez billboard, mon frère, ou annoncez que 2 millions de dollars vous mettez sous tête et chef gangza. Or, on connaît très bien que chef gangza, c'est l'allié. À côté de là. Dans le peignet. À côté de là. C'est l'allié. Voisin. Sous tabac, il est pratiquement voisin donc, avec l'ambassade américaine. Oui. Comment bien? Et puis, on y a ces États-Unis, vous mettez gros billboard, vous annoncez qu'il va chercher vite l'homme, vous mettez 2 millions de dollars sous tête vite l'homme. Pourquoi vous mettez vite l'homme? Alors, connaissant américain. Vous n'avez pas de task force pour ça. Les États-Unis, pas vous les soldats, pour venir là, font task force avec la police nationale d'Haïti, et puis marcher pour vite l'homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Alors, c'est mobilisation, on va payer. Son mobilisation, on va faire, on va connaître. On va pour qui ça fait. Est-ce que. On va connaître. Est-ce que vous connaissez? Parce que. Souvent, FBI travaille en secret. Oui. Mais là, son bail public, pas grand secret là-dedans. Je ne connais pas. Je ne pas logique, ça. Je ne comprends pas. Parce que vite l'homme, c'est là qu'il y a avec Yotéa. Il dérangeait l'ambassade là plusieurs fois. Il dérangeait tout voisinage qui à côté l'ambassade là plusieurs fois. Et il l'a peigné. Et c'est là qu'il a évolué. Il quoi des bouquets, il peigné, c'est là qu'il a évolué. FBI connaît côté lié. OK? Maintenant, mettez billboard aux États-Unis pour annoncer que vite l'homme, oh, à moins que je ne connais. Nous, alors, vite l'homme, c'est un homme qui a mené une vie cachée. Son homme public. De temps en temps, qui fait. Sur les réseaux sociaux, qui fait. Des sorties. Et son chef. Correct. Parce que d'ailleurs, il déclare qu'il n'y a pas de monde qui démentit. C'est clair. Ouais, le gouvernement n'a pas démentit. C'est clair. Donc, ça veut dire. Et tout le monde qui connaît, il connaît le travail vrai. Il a utilisé. Il a utilisé pour bagay. Alors, c'est ça le dit. Même quand c'est le qui toujours dit vite l'homme pas un gang parce qu'il pas qu'on invite l'homme comme gang parce que vite l'homme t'es qu'on fait campagne avec lui okay. C'est Anel Belize seulement qui est grand qui dit ça non mais ça c'est peut-être du parce que t'es en contact du mobilisation du temps de la campagne voilà mais après voilà, ça va la vie évoluer voilà vie évoluer on pas qu'à foutre tu dis vite l'homme pas gang on pas capable parce que kidnapper moun et bouler quand moun
Donc, écoutez, non, on n'est pas capable. Ce que je dis à la, c'est que les Américains, FBI, ils connaissent exactement côté vite l'homme. Pour ça, on va venir. OK? Et même FBI, ça, pour ça, on va entendre avec l'armée américaine, prendre 2-3 soldats là, font task force, mettez avec la police nationale d'Haïti, mène une opération, et puis ils viennent pour vite l'homme. Maintenant, 2 millions de dollars. Si il y a des gens qui ont des informations déjà sur vite l'homme, avec 1 million de dollars seulement déjà, ils ont des informations. Hein? Même Jean pour l'envoi Saint-Jour. À moins que peut-être si M. Sayo entend avec une famille qui fait famille en fait comme là, et puis qui livre tête donc by FBI à travers famille. Bon, en tout cas, ça sont dossiers dans le suivi ici, donc à l'émission matin débat. Mais invite l'homme et est très recherché par la police nationale d'Haïti. Est-ce qu'on a dit invite l'homme très recherché? Parce que l'on a joué le capitaine de l'église. Libreche, libriye, tout bagay de bagay. Et ça, son nek public. Nek la son vie public ap mene, il pa kache. Li chache, libriye, li batmen, li rele Jésus-Christ, li rele bon Dieu, et de bagay comme ça, donc, il fait fête li, l'elve li, donc, nous quoi le bouquet, l'elve li fait fête li, feu d'artifice pété, l'autre chef gang. Ça est jouet pour yon. L'autre chef gang invité, vine dans fête li, donc, est-ce qu'on a dit que son monde gars que la police a fait? Bon, en tout cas. Donc là, son dossier n'a pas suivi ici. Hein? Donc, à l'émission Martin Débat. En tout cas, et son petit cop qui a été là, un petit cop. Non, 2 millions de dollars, on bon l'argent. Mais c'est qui mon gars? Mais l'argent, c'est un bon l'argent. Maintenant, c'est qui mon qui parle bien information sur l'agent ça? Pour l'agent ça? L'homme voyageur, oui. N'a pas appelé que vite l'homme, donc recherché par les Américains, c'est suite à kidnapping de 18 missionnaires. Nous songez que monsieur était kidnappé. Et... Non, c'est pas sur le dossier ça, non? C'était deux Américains, moi, quoi, que monsieur était kidnappé, donc la caillou, donc n'est pas en lieu. Il y a madame qui est mourue sur place. Vous savez, nous avons venu ici déjà. Oui. Et madame qui est mourue sur place, et puis il a été kidnappé. Donc, monsieur, c'est deux grands mondes. Ok, finalement, on finit par libérer, donc, grand monde. Donc, c'est sous. Et à accusation ça, c'est sous chef accusation ça, que vous mettez pris ça sous tête vite l'homme. En tout cas, son dossier n'a pas suivi ici, donc, à l'émission Martin Débat. Martin, nous avons parlé avec Cap-Haïtien, Benson. Je ne sais pas chance, c'est pas là, monsieur. Moi, depuis il y a déjà relé. Ok. Donc, je ne sais pas. Eh bien, n'a pas relé, monsieur. N'a pas relé, monsieur. Okay. Et puis, on va passer pour Kenya. Mais le Kenya n'a pas de nouvelles. C'est bon. Même si le Parlement. On a l'analyse. Haïti, sécurité. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement de 1000 policiers en Haïti, dans le cadre de la force multinationale qui doit être en Haïti sous peu. Le déploiement est prévu pour quand en Haïti? Bon. Les carottes sont cuites. Donc, définitivement, Kenya paraît pour débarquer en Haïti. Donc, les problèmes politiques au Kenya étant résolus, parce que c'était un problème avec le Parlement, c'est un problème avec l'opposition. Chacun a un point de vue par eux. OK? Ça a fait que tu as une grosse discussion. Donc, dans Kenya même, OK? Sous question Kenya qui t'a dû prendre tête, une force multinationale donc, pour rentrer en Haïti donc, au début de l'année 2024. Donc là, tout le bagage est pratiquement OK. Et maintenant, le Parlement kenyan li approuvé déploiement permanent à tout, mais pas oublier que Kenya a demandé 225 millions d'euros qui pouvaient nous amener le cash avant la guécha. Oui, il faut comme la clé. Ok, donc ça veut dire que là, et c'est peut-être les États-Unis qui ont peut-être arrêté pour permettre que Kenya vienne comme là, également les Nations Unies, pour être capable d'entrer en Haïti en janvier, genre que ça a été annoncé. Maintenant, on nous regarde des questions. 1000 policiers kenyans, comme si, permettez-moi de tout. En population de 12 millions d'habitants, 1000 policiers kenyans. Les cas résolvent le problème, ça qui l'a raté. Non, on pile pays qui a participé. Sans pile pays qui a participé. Oui, mais Kenya a bien plus. Oui. C'est Kenya qui a bien plus de policiers.
Mais il y a qu'à venir à presque 5 000, oui. D'après tout le pays, il y a des cabins en bagaille là. Ok. Bon, mais, même s'il y a 5 000. Non, plus police nationale. Mm-hmm. Et quoi ça pour elle?